Le mois de septembre est le mois où l'on essaie de prendre de bonnes résolutions. Alors pourquoi pas celle de prendre, de vivre le parcours Alpha. Alors qu'est-ce que c'est qu'Alpha? Ce sont des dîners pour parler de Dieu et de ses questions, tout à fait dans une ambiance décontractée, conviviale et fraternelle. Comment ça se passe? Alors les soirées commencent par un dîner suivi d'une vidéo sur un thème bien précis. Tout ce qui est partagé reste évidemment confidentiel. Aucune question n'est considérée comme taboue et chacun est libre de parler ou d'écouter. À qui s'adresse le parcours? Donc les personnes qui vont à l'église comme celles qui n'y mettent jamais les pieds. Il suffit juste d'avoir 18 ans. Le parcours propose 10 mardis consécutifs et un week-end qui se déroulera à l'abbaye d'Ourscant. Alors vous pouvez penser, 10 mardis consécutifs, ça va faire beaucoup, mais sachez que la plupart des personnes qui vivent le parcours, et ça dans le monde entier, nous disent après, au bout de la 7e ou 8e rencontre, mais qu'est-ce qu'on fait après le parcours? Donc cette année, nous avons proposé aux participants, à ceux qui le demandaient, hein, de vivre des rencontres fraternelles à raison d'une fois par mois à la maison, autour de la parole de Dieu. Ce que je vous propose dès à présent, c'est de noter la date du 26 septembre, le mardi 26 septembre, à partir de 19h30, nous partagerons un repas partagé à la salle paroissiale derrière le presbytère, à la salle de Ham. Voilà, et vous en saurez beaucoup plus sur le détail du parcours. Mais cette soirée ne vous engage à rien. Voilà, comme dit Jésus, venez et voyez, et après vous verrez. Invitez aussi des personnes qui pourraient être susceptibles de vivre le parcours, qui pourraient être intéressées, mais ne décidez rien à leur place, c'est Jésus qui parlera à leur cœur. Voilà, si toutefois vous êtes intéressé par le parcours dès à présent, vous pouvez vous inscrire au 06 22 99 23 06, donc Marie-Bénédicte Paquet, c'est mon nom. Et mon adresse mail, frpaquet8400@gmail.com. Merci à l'avance de participer à ce beau projet d'évangélisation, notamment par la prière.